Et Botenabino les gens, c'est Mouibi et on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière avec Bournemouth, comme d'habitude. Aujourd'hui, deux matchs très sympas au programme, un petit match à domicile contre West Ham et un match à l'extérieur contre Everton, le concurrent direct du coup pour la lutte pour la sixième place. Ils ont un match d'avance et ils ont un point de retard. Du coup, si on les bat, vu qu'on sera à 5-6 journées de la fin, on sera très très bien placé pour assurer au moins la sixième place. Et voilà, il y a toujours cette lutte éternelle là pour les 4-5 premières places entre les top top clubs qui va être difficile. Du coup, voilà. Bon, on a 11 jours avant le premier match, ça va être un petit peu long, mais on va voir au moins quelques petits Wonder Kids là, qui peuvent pop dans nos rapports. Et on voit, ouh là, je viens de voir un truc. Je viens de voir Paris Saint-Germain en Ligue Europa. Comment ça se fait? PSG. Ah oui, c'est vrai qu'il s'appelle Paris SG dans FM. Paris. Ils ont fait troisième de leur poule en Ligue Europa. Derrière, du coup, je suppose la Lazio et le Bayern. En Ligue des Champions, pardon. Et du coup, là, ils sont en Ligue Europa. Ils se sont qualifiés. Non, ils ont perdu, hein. Ils ont été éliminés en plus en Ligue Europa. Eh ben dis donc, super. Quelle campagne. Là en Ligue Europa par exemple, en quart, il y a United, Zenit, Séville, Valence, Milan, Leipzig, Beşiktaş, Tottenham. Ah ouais, c'est sûr que si on se qualifie pour la Ligue Europa l'année prochaine, ça va pas être le même niveau que la Conference League. Donc voilà, c'est pour ça qu'une 7ème place, c'est pas plus mal. Entre une 7ème et une 6ème place, il n'y a pas une énorme différence en termes de revenus. Par contre, déjà, la Ligue Europa, c'est un plus gros budget qui va nous être donné par rapport à la Conference League. Donc, il faudra qu'on soit bon pour cette compétition, quoi. Et là, on a notre 7ème place qui est pratiquement assurée. Donc, franchement, on va être, je pense, à 97% sûr qu'on va être européen l'année prochaine encore. C'est incroyable. J'ai vérifié sur Internet. C'est bien ce qui me semblait, mais c'est effectivement la première fois en fait que Bournemouth déjà participe à une compétition européenne. Parce que bah, la première fois tout simplement qu'ils sont arrivés en première division, c'est en 2013, je crois, 2015, un truc comme ça. Et donc voilà, ils ont jamais eu l'occasion, enfin ils auraient pu gagner une coupe, mais je crois qu'ils n'en ont gagné qu'une seule. Et je sais pas si elle était qualificative pour la Coupe d'Europe à l'époque. Donc voilà, là c'est la première qualification en tout cas depuis un très très long moment, c'est sûr, de Bournemouth contre. Enfin, en compétition européenne. Alors, je crois qu'on a eu pas mal de rapports. Ah, voilà. On va voir si on a des petits cracks. Pour l'instant, ça donne rien. Ah, voilà. Royal Antwerp. Ah, bah, ça tombe bien. C'est la ville où je suis. Si on peut avoir des joueurs sympas locaux, ça peut être cool. Oh, il y a un gars qui s'appelle De Bruyne. Arnaud De Bruyne, mais tout collé par contre. Pas de plus loin Bruyne. Alors, Basile Leroy, pas mal de jolis petits Belges. Je prends seulement ceux qui, pour l'instant, bah, ceux qu'on peut signer sans acheter en fait, qu'on peut directement proposer un contrat. Et après, éventuellement, quand il nous restera de l'argent, bah, on ira prendre ceux pour qui il faut faire une offre. Parce qu'on n'a pas non plus, on n'a pas non plus un budget infini. Là, on est à combien? Ouais, on a 42 000. Prendre un budget transfert qui a, enfin, salarial pardon, qui a beaucoup beaucoup augmenté. Ah, le budget minimum garanti de la saison prochaine c'est 22 millions, c'est déjà pas mal. Je sais pas combien on a dépensé cet été, je m'en rappelle plus. Dépensé 41 millions, on a récupéré 13 millions. Donc voilà, on a quand même fait pas mal de dépenses. On a pris Binks du coup à Bologne, Bakuna 12,75 à Huddersfield, Mamadouloum 6,25, Tsimikas 11,25, Riquelme 3,8. Ça c'est la grosse affaire. Carter Vickers, vaut combien maintenant? 11 millions pratiquement, on a recruté 175 000, ça se trouve on l'aurait eu gratuit en fait. Et Karius qu'on a eu libre. Karius qui vaut combien maintenant? 26 millions, vous voyez, donc si même on vient me proposer quelque chose pour Karius, bah clairement je prends. Hein. Parce que ce sera forcément une plus-value quoi qu'il arrive et il aura fait son taf avec le club. Allez, plus que 4 jours pour le match contre West Ham. Ça va être un match difficile. Vous savez, c'est la configuration qu'on n'aime pas trop, c'est-à-dire avec un mal classé à domicile. Bon, c'est sûr que c'est plus avantageux que comment on dit, un match contre le premier à l'extérieur, quelque chose comme ça. Mais
Ça nous a souvent posé des problèmes quand même cette saison, les matchs comme ça. On pense à West Brom, on pense à Leicester, pas mal d'équipes comme ça qui nous ont posé problème. Mais bon, dans l'ensemble quand même, on s'en est bien sorti. Je sais pas ce que ça donne nos performances à domicile. Je sais qu'on s'est pris une grosse claquasse contre Chelsea, mais à part ça, on n'a pas été si dégueu que ça, si. Ouais, ok. Mais là, on est loin à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est la 7ème équipe à domicile, pardon. Bon, on a fait 10 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Donc c'est très respectable, mais on est quand même loin du compte. Et à l'extérieur, on est la 4ème meilleure équipe. Avec, regardez tous les résultats négatifs qu'on a à l'extérieur. 5 défaites, 3 matchs nuls. Et on est quand même. On a un tarif habituel, en fait, à l'extérieur. 2-1, 3-1, 3-1, 3-2. Clairement, on prend toujours cher. Mais voilà, et puis première partie de la phase, vous voyez, on était très bien. Hein. Troisième, seconde partie de la phase, un peu plus compliquée. Bon, déjà, on a un match en moins, donc si on gagne, on gagne 2 places. Mais on a affronté déjà pas mal de gros. Je sais pas si. Non, on n'a pas le détail. C'est dommage. C'est dommage. Mais on a affronté tous les gros à part. Oh, 100 matchs sur le banc pour Mouibi. FM Mouibi. Regardez, même moi, je me trompe sur mon nom, quoi. FM Mouibi, populaire entraîneur, fêtera son 100e match en tant qu'entraîneur lors du match de son équipe AFC Bournemouth face à West Ham. Ah, il faudra qu'on gagne. Hein. Il faudra qu'on gagne. On a déjà remporté 2 compétitions quand même, la Carabao Cup et la Skybet Championship. Cote très favorable et tout. Ce serait intéressant de voir combien de victoires on a fait pour l'instant. On a fait 64 victoires. C'est très très honorable. Hein. Surtout qu'on a fait une année en tant que promu. Donc très 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 honorable de la part de notre équipe comme performance jusqu'ici. Mais bon. 65%, c'est. Ouais, non, clairement, ben, on peut aller comparer, hein, de toute façon. On peut aller comparer. Moi, j'aime bien regarder ce genre de stats-là et tout. Bon, déjà, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut voir qu'on est l'entraîneur le plus jeune au monde. Le deuxième plus jeune, il a genre 32 ans. En même temps, c'est pas très commun d'avoir un entraîneur qui a 22 ans. Du coup, des entraîneurs qui ont fait plus de matchs que nous, déjà, il n'y en a que 3. Il y a Guardiola, Klopp et Solskjaer. Et ils ont pas beaucoup plus de victoires que nous, hein, si vous voyez. 65, 68, 68. Bon, après, ils ont eu des oppositions différentes, clairement, on va pas se mentir. Mais, ouais, non, j'allais classer par pourcentage de victoires, mais ça n'a pas trop de sens, donc on va faire comme ça. Ils sont, regardez, Guardiola 68, Klopp 68, Solskjaer 63, Lampard 63%. Donc, franchement, il n'y a pas à rougir, il n'y a pas à avoir honte, on est bien. On est bien, on a un beau rendement. On a un beau rendement. Espérons qu'on va l'améliorer un tout petit peu encore aujourd'hui. Ah, je pense que c'est la première fois qu'il y a autant de blabla avant un match. Mais je me suis dit, vas-y, ça peut être sympa de regarder, voir s'il y a des petits jeunes qui sont là en prêt. Pardon, pas en prêt, observés et tout. Et au final, pas tant que ça. D'ailleurs, j'ai pas vu. Peut-être que j'ai loupé le mail avec nos petits jeunes. Faudra que j'aille regarder. Les jeunes pousses à l'essai de Bournemouth. J'ai dû le louper. Allez, on est parti. Petit match au Vitality Stadium. Oh, ça peut commencer fort. Danjuma, second poteau. Yes, Lloyd Kelly. Même pas 1 minute de jeu, 51 secondes. Incroyable. On peut difficilement mieux commencer un match. Pas grand-chose à dire, hein. C'est parfait. C'est l'entame parfaite. Avec ce résultat, on se positionne 4 points devant Everton. Ça nous laisse un joker, du coup, avant le match contre eux. Sachant qu'il faut qu'on assure un maximum pardon, sur tous les matchs. Oh, c'est pas mal ça pour ce Ridge. Oh, dommage, ça manque de puissance. Ça manque de puissance, clairement. Il a raison le commentateur. Comment a-t-il pu manquer ça? Ouais, du coup, je disais, faut qu'on prenne pas mal d'avance parce que les 3 derniers matchs sont difficiles. Oh, Lloyd Kelly le doublé! Match difficile du coup contre Tottenham, Leicester et City. Il me semble, les 3 derniers. Même si Tottenham sera à domicile, Leicester et City, ce sera à l'extérieur. Donc, il faudra tout donner. C'est des belles équipes, surtout City, hein, clairement. Regardez, ils sont co-leaders, donc faudra faire gaffe, mais on peut tout donner et essayer de gratter des points, quoi. Déjà, je pense qu'on va faire le meilleur résultat de l'histoire de Bournemouth dans tous les cas, en termes de classement et en termes de points. Je ne sais pas si. Ouais, si, je vais chercher les archives de la première ligue d'il y a. Enfin, des 4-5 saisons qu'ils ont fait en première ligue, là, ces derniers temps, pour nous, c'est pour savoir où ça va partir en frappe. Quel arrêt de Karius. Heureusement que les défenseurs ont suivi quand même pour bien
empêcher une deuxième frappe, mais un bel arrêt de Karius parce que la frappe était belle. Hein. Du coup, je vais regarder l'historique des points de Bournemouth pour savoir s'ils ont déjà fait plus de 59 points en championnat, sachant qu'il nous reste 7 matchs. Donc, je pense qu'on va. On peut réalistiquement s'approcher des 70. Oh! C'est loin et proche en même temps, cette frappe de Danjuma. Bah, je pense que du coup, on peut vraiment s'approcher des 70 points. Parce qu'on a plus que. Oh, Lewis Cook. Non, dommage, il s'est fait prendre la balle. On a 59 points. On a 11 points à prendre en 7 journées. Je pense que c'est faisable. Oh, la passe pour Surridge. Incroyable cette passe. C'est Surridge, cette fois-ci, qui se fait pas. Qui se fait pas prier. Il termine l'action. Qui est-ce qui a fait cette passe? Est-ce que c'est Lewis Cook par hasard? Non, ça vient de plus loin. C'est Smith qui a remonté un peu le terrain. Pas mal, hein. Franchement, le latéral gauche qui est droitier, ça nous a servi cette fois-ci. Et Wiscook qui joue au milieu. Je savais pas si je l'avais mis sur le terrain ou pas. Donc j'ai fait un peu tourner. Oh, Martinelli. Il aurait pu cadrer, hein. Il aurait pu cadrer, mais il l'a pas fait. Du coup, voilà. Bah, c'est bien. On est en contrôle. On est en contrôle. Oh, le long ballon. Quelqu'un dessus? Non, c'est dommage. Je pense que s'il avait sprinté, il aurait pu l'avoir. Le long dégagement de Randolph. C'est récupéré par Kelly. Kelly, gros match. Déjà le doublé. Présence défensive et tout. Seule action est venue du côté de mes femmes. Donc voilà. Au soleil, qui perd la balle, mais il se bat, il la garde. Il passe en profondeur. Elle est un peu à contre-courant. Il aurait dû la faire bien plus tôt. Et c'est quand il a raté son appel qu'il lui a fait la passe. Oh, Danjuma. Le retrait. Oh, ça passe à côté! Comment t'as pu rater? Ah, c'était dévié. Ok. J'ai cru que Tyrese Danjou s'avait raté. Ah, c'est dégagé. Est-ce que Fornals va pouvoir y aller? Ils ont quand même une équipe. Enfin, ils ont quelques joueurs sympas. West Ham, Montiel, latéral droit, très sympa. Philippe Anderson, Martinelli. J'ai vu Pablo Fornals. Franchement, c'est des joueurs. La plupart, je leur dirais pas non hein, s'ils veulent venir. S'ils veulent venir. Est-ce que Martinelli est prêté ou il a été acheté par West Ham? Mince, j'ai mal cliqué. Bon, tant qu'on est là, on va aller dans leur tactique, ça va être plus simple. Déjà, vous avez vu, leur entraîneur, c'est Quique Setién. Il est prêté par Arsenal parce que franchement, il a des stats sympas. Hein. Il a un gros potentiel aussi, il a toujours son potentiel 4,5, ça c'est sympa. Il est déjà aussi fort que Joshua King, par exemple. C'est dégagé, Souchek. Souchek qui frappe, oh elle est belle. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette frappe. Est-ce qu'elle est belle? Elle est enroulée ou c'est purement une frappe sèche? Bon, Karius, franchement, je l'en veux pas trop sur celle-là parce que c'est vraiment. Il va chercher l'angle opposé. Elle est sèche. Elle est vraiment sèche. Elle est belle, elle est pure, elle est dans le petit filet. Pour une fois, c'est pas une frappe qui est au milieu du but qu'il a laissé passer, quoi. Mais on a encore encaissé un but. On a encore encaissé un but. Kelly. Oh, Kelly en une touche pour Surridge. Oh non, Surridge! Ah, le poteau, c'est dommage. Kelly, il aurait fait deux buts, une passe D, là, ça aurait été incroyable. Mais bon, le score reste de 3-1. Karius qui a fait une belle relance. Pour Smith, il est pas attaqué. Il n'avait pas besoin d'envoyer le ballon comme ça. Oh, Billing, l'interception, Surridge. Oh, l'arrêt de Randolph. Il a bien anticipé et tout. La frappe était à mi-hauteur, donc difficile. Mais il a quand même bien anticipé. Danjuma, le corner, c'est dégagé. Ça revient sur Philippe Anderson, attention il est rapide. Il est passé devant, ça va finir en face à face. À moins que Kelly l'empêche, bien joué Kelly. Oh Kelly, il est vraiment, il est en train de faire un match incroyable. Je pense pas qu'il y ait grand chose à jeter dans son match quoi. 70ème minute bientôt, les joueurs sont pas encore fatigués. On commence à voir Mefam qui est un peu en sous-forme. On va faire rentrer Carter Vickers pour ça. Touche longue peut-être de Smith, oui. C'est pour John Jules, mais c'est intercepté. Ça revient sur Bowen. Bowen avec Montiel. Ça ressort proprement avec Fornals. Ils veulent pas jouer long. Ils font des passes sûres dans les pieds. Et là, Bowen a plus d'espace. Il s'avance. Il doit dribbler son coéquipier. La passe pour Anderson. Ça revient sur Fornals. Ils ont un peu du mal à passer, mais en une passe, non. Une passe pas notre bloc, il récupère la balle, Surridge la perd pas, voilà, Bakuna c'est bien ça. Le long ballon pour John Jules qui manque un peu de vitesse j'ai l'impression. Oh ils doivent se dribbler entre eux, c'est la deuxième fois qu'ils doivent se dribbler entre eux West Ham Kem. Oh la passe qui...
La passe, c'est à la base, elle était pour Lewis Cook. Elle a fini en passe D pour Sam Surridge, du coup, qui a mis son doublé lui aussi. Et était jaloux que Kelly il ait mis plus de buts que lui. Il a quand même fait un petit point à son coéquipier, Brown. Hein. Incroyable. Là, la longue passe de Bakuna. On croit pendant longtemps que c'est pour Lewis Cook. Au final, non, c'est pour Surridge, qui a anticipé la sortie du gardien. Et qui n'a plus qu'à pousser le ballon. On a Billing et Danjuma qui sont fatigués. Ils ont fait un gros match, surtout Danjuma. Donc on fait rentrer Lerma et on fait rentrer Joshua King, le boss. Je suis curieux de savoir c'est quoi la vitesse de John Jules. 15 et 15, ouais, pourtant il est rapide quoi. Je comprends pas pourquoi du coup il s'est fait. Mince, est-ce que ça a manipulé les changements? Non, c'est bon. Second poteau, la tête de. C'est quoi, c'était sous check aussi? Mais c'est passé au-dessus dans tous les cas. Donc pas de soucis. Bakuna, second poteau, Carter Vickers. Oh, et presque le même but que le premier de Kelly. Sauf que cette fois-ci, le gardien a fait un super barré. Mais Carter Vickers a suivi. Ah, la Red Randolph, il est monstrueux. Hein. Il est monstrueux. C'est bien d'avoir des défenseurs qui marquent. C'est toujours utile dans une équipe. Toujours très utile. Sachant qu'en plus, on a. Enfin, c'est pas que c'est juste nos défenseurs qui marquent. On a des buteurs de très haut niveau. Même le remplaçant Surridge, il a déjà 13 ou 14 buts cette saison. Donc, assez impressionnant. Surridge, est-ce qu'il va se transformer en passeur? Bakuna, non. C'est trop tôt cette passe. Aïe aïe aïe. Oh, l'effet sur cette balle, il est incroyable. Mais heureusement, Karius, il se place bien. Karius, il est vraiment bon face à face. Hein. Franchement, j'avais un peu d'inquiétude au début de saison quand je dessinais. Je me suis dit, bah, peut-être que c'est pas le gardien qu'il me faut pour passer au niveau d'au-dessus. Mais finalement. Finalement, peut-être que si. Hein. Enfin, par rapport à Travers, même par rapport à Begovic. Begovic qui était bon, mais qui commençait à trop vieillir. Mais franchement, pas mal. Hein. Allez, Danjuma, homme du match. Le classement, du coup. Ah, du coup, c'est sûr. Liverpool a gagné la compétition. Donc, on a perdu déjà contre les futurs vainqueurs. À FA Cup, il reste Chelsea, Leicester, Sheffield, Everton. Donc, une chance sur deux que cette 7ème place soit qualificative pour la Coupe d'Europe. Sachant que si c'est Everton qui la gagne, je vous rappelle, nous on sera reversé en Conference League. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on donne tout aussi sur la compétition européenne, parce que bah, on doit se qualifier pour la. Enfin, c'est pas qu'on doit, mais c'est mieux si on se qualifie pour la Ligue Europa. Donc vous voyez, comme je vous disais, on a 37 buts de King, 30 buts de Solanke, donc nos deux buteurs ils sont pratiquement à 70 buts en les combinaisant. Waouh! En les combinant. 13 buts de Surridge aussi, donc remplaçant efficace. Et après, on a, regardez, Kelly qui a 4 buts. Après, les milieux de terrain, ils marquent pas beaucoup. Mais Vickers, 2 buts. Mes femmes, 2 buts. Donc, franchement, c'est pas mal. On a peu de joueurs qui ont pas marqué. C'est les latéraux surtout. Et Karius, évidemment. Il y a Steve Cook, par contre, qui a jamais marqué. Mais bon, après, c'est parce qu'il joue souvent plus souvent latéral que central maintenant. Ah, on a encore des petits jeunes. Est-ce qu'on va avoir un petit crack, un petit polonais là, Zalewski? On l'ajoute. On ajoute tout le monde, enfin pas tout le monde, mais tous les 4,5 minimum. C'est jamais ça de. Enfin, c'est jamais perdu quoi. Ah, lui on l'a déjà ajouté et on l'a déjà acheté, Sbeck. Ouais, c'était dans la sélection. Hop. On ajoute Jordan Millward, qui ne va jamais venir. Les jeunes qui sont déjà dans d'autres équipes anglaises ne vont jamais venir, tout simplement parce que bah, y a mieux. Ils sont dans des clubs et ça coûte trop cher. Donc voilà. Alors du coup, les jeunes à laisser, on les a pas eu encore. Ouais, c'est en avril. C'est ce qui me semblait. Mais je suis pas sûr, parce que par exemple, en France, c'est souvent... fin mi-mars, un truc comme ça. En Espagne, à peu près pareil. Être un fin mars, et là on est déjà début avril et y a rien. Mais bon, là on a un match très très important contre Everton. Après, on a 4-5 jours de repos avant ce match contre le Stade Brestois. On commence par le match à domicile, donc on peut pratiquement déjà tuer le match dès le début quoi. Allez, le 2 avril 2022, pas de blague aujourd'hui, pas de poisson d'avril, faut tout donner, j'espère que ça va passer, on va tout mettre, hein, l'équipe type et tout. Le retour du Joshua King et Solanke en attaque, ça c'est pas mal. 5 changements par rapport au dernier match,
Espérons que ça va suffire. Ça va être un match très très difficile, hein, Goodison Park. Grosse équipe en face, donc faut croire en nos chances. On les a battus à l'aller, maintenant faut les battre aussi au retour. Parce que là, carrément, si on passe à 63 points et eux ils restent à 56, enfin c'est fini, on sera 6ème au classement. Allez, Steve Cook, la touche longue. Là, c'est dégagé, Lewis Cook. Brooks, la frappe de Brooks. Oh, ça passe au-dessus! Ça passe au-dessus! Brooks, vraiment, j'en attends tellement de lui. Enfin, il peut nous faire une plus-value énorme. Enfin, on l'a pas payé, mais genre. Pour avoir un. Je pense qu'on peut le vendre facilement 40 et quelques millions. Oh, l'arbitre, il nous tacle, wesh! Je sais pas si vous avez vu, l'arbitre, il nous a taclé. Ah, bien joué, Karius. Il a pas relâché, il a couvert son premier poteau. L'arbitre nous a taclé, hein. Brooks. Second poteau. Ah, c'est pour personne. Allez, oh. On va se prendre une contre-attaque alors qu'il aurait pu manger. Il aurait pu le manger. Penalty? Non, pas penalty. C'est bien, c'est passé à côté. C'est passé à côté. Il faut qu'on profite de nos coups de pied arrêtés, nous. Hein. Clairement, ils ont pas mis James Rodriguez déjà. Je pense qu'à pratiquement tous les postes, ils sont meilleurs que nous. Leurs releases sont meilleurs que les nôtres. Juste nos attaquants de pointe. Enfin, selon que je pense qu'il est meilleur que leur attaquant de pointe, Morelos. Je sais pas trop qui c'est. Enfin, si, je sais qui c'est, mais j'ai pas une grosse estime de lui. Après, selon que c'est un peu la même chose avant qu'on le prenne et qu'on le fasse bien progresser comme ça. Mais je pense que sinon, tous leurs joueurs sont titulaires chez nous en fait. Avec le petit défenseur central aussi, Ben Godfrey. Sacré prospect. C'est un joueur, tu vois, ça va pas être un Van Dijk. Il n'a pas ce potentiel-là. Mais, oulala, Lucadine, le coup franc. C'est sur Karius, bien joué. Mais c'est le gars qui va toujours être là, quoi. Par contre, le corner, la 47ème minute, ça me fait un peu peur. Ok, c'est bon. Vas-y, Kelly, fauche-le. C'est la mi-temps, 0-0. Petit match nul 0-0, moi, ça me déplaît pas. Parce qu'on perd pas de points sur eux. Mais je préférerais une petite victoire, là. Une petite victoire pour rester à 2 points d'Arsenal. Si on gagne, on passe à 62. On sera que à 5 points de City. Donc, c'est pas dégueu. Allez, le temps fort peut-être pour nous. Faut juste pas qu'on la perde. Ça essaye de relancer proprement. Steve Cook, Kelly. Ah, ça a du mal à gratter des mètres. Oh, elle est belle celle-là. Allez, Solanke, c'est ton action. Mais putain, Solanke, c'est pas possible. C'est pas possible. T'es un attaquant ou t'es un défenseur? Tu défends trop bien sur nos attaques. Allez, Lerma, elle est belle. Oh, dommage. Oh, Solanke, la vérité, je vais lui mettre entraînement la finition. Hein. C'est pas possible. Ce qu'il nous fait, c'est pas possible. Il nous a coûté une bonne dizaine de buts faciles cette saison. Oh, Richarlison, il est rapide. Ça m'inquiète. Pas de pénalty, s'il vous plaît. Bien joué. Non. Quoi? 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 Il siffle pénalty, fait la VAR et dit qu'il n'y a pas péno. Putain, il indique le pénalty avec la VAR. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est grave, les pénaltys sont tout le temps contre nous. En plus, Karius, il la touche, mais ça rentre quand même. C'est très grave, il n'y a rien du tout, rien, même pas un peu péno. C'est pas possible. C'est pas possible. On s'est fait voler des dizaines de points comme ça, hein, avec des pénaux inexistants. On s'est fait éliminer de la FA Cup sur un pénaux inexistant, c'est pas possible. Oh, puis Solanke avait mis son but là. Le corner, c'est dévié. Quelqu'un pour l'embêter, pour embêter Iwobi. Allez, encore dessus, encore. Allez. Quel pressing, quelque chose. Rien du tout. Ça essaye de jouer, ça joue pas mal. Le bloc ne bouge pas trop. Ah, ça va passer ça. Oh, le poteau. Waouh, c'était plus difficile de la rater que de la mettre celle-là. Le centre de Digne était incroyable. Oh, bien joué. Allez, Solanke, s'il te plaît. Stacy avec Brooks. Brooks la passe pour Solanke. Allez, Solanke. Yes, enfin, Solanke, merci. Il devrait y avoir 2-1. Grâce à toi. Bon, il n'y a que 1-1, mais c'est quand même grâce à toi. Allez, c'est bien ça. On est content. Belle passe de Brooks. Belle passe de Brooks. On va pas se mentir. Il fait plaisir. Surtout quand les derniers matchs, on disait ah, Solanke qui a pris un coup. On va le faire sortir de suite. On va mettre Sam Surridge, hein, l'homme fort. Le super sub.
Ce serait bien qu'on prenne pas un but sur ça par contre, s'il vous plaît. Alan Doucouré, ça change d'elle, c'est bien pour Stacy Brooks. Allez Brooks, allez t'envoies King. Allez King. Yes! Oh, avec l'angle, au début j'ai cru qu'il avait raté. Incroyable. Au début avec l'angle j'ai cru qu'il avait raté. Et au final non. C'est dedans, c'est un beau but même. C'est un beau but. Là, vous voyez, là, je pensais qu'il l'avait mise à côté. En fait, non, c'est plein axe. Hein. C'est un plein axe. C'est juste que le ballon était un peu soulevé, en fait. Oui, appliquer les changements tactiques. Solanke est fatigué. Mefam qui est encore fatigué. Mais on va changer Brooks pour mettre Meyer. Un surage. C'est bien, c'est bien, on n'a pas perdu le ballon. 81e minute, on n'a plus grand chose à tenir, mais on doit tenir. Mes femmes et Timikas sont fatiguées. Cook qui les rejoint dans le FC fatigué. Aïe 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 aïe. Ah j'ai peur. Lucas Digne. De toute façon ça va être la même chose, on va encore se prendre un 2-2 à la dernière minute. Bien joué Karius. Ah je vais penser à un truc là. Avec le ballon, c'est où? Perdez du temps. Perdez du temps. Faut que j'apprenne à faire ça là quand on mène au score. J'espère qu'on va pas se prendre le retour du bâton. Ah c'est pas mal ça. Allez. Allez, envoie-le. Oh, il est peut-être un peu hors jeu. Oh l'arrêt Pickford. J'ai cru qu'il était hors jeu en fait, King. Mais peut-être avec notre angle, on a l'impression qu'il était hors jeu, mais en fait non. Tsimikas le corner. Ah ouais, c'est vraiment de la perte de temps absolue. Allez, 6 minutes. Mais d'où il y a 6... Déjà, d'où il y a 6 minutes? Enfin, pour quelle raison il y a 6 minutes? Le corner, garde la balle. Garde la balle, comme on t'a appris, perds le temps. Voilà. Stacy, la frappe. Oh, la frappe, elle était incroyable. Elle était incroyable, on dirait... Ça ressemblait un peu à celle que Tillmans nous a mis. Oh, Fulham qui est en train de battre Manchester City. Incroyable, faut qu'on garde ce résultat. Allez Smith, Smith, Surridge, King, King frappe, hein, frappe. Lewis Cook, Tsimikas, assez contré. Allez, perdu du temps, l'arbitre va siffler, c'est ça qu'on aime. Allez, 96 plus 11, monsieur l'arbitre, tu siffles direct, hein. Il va la jouer longue. Monsieur l'arbitre siffle. Oh non, on va pas se prendre un but. Yes, oh, j'ai eu peur. Grosse victoire, grosse victoire d'un à l'extérieur contre Everton, inattendu, hein. Et c'est un juste retour des choses, parce que même si la rencontre est considérée comme serrée, il y a eu un pénalty inexistant. Genre vraiment... Je peux pas admettre qu'il y avait pénalty là-dessus, enfin il n'y avait rien du tout. Donc voilà. Bon, bah pour l'épisode d'aujourd'hui, ça s'est bien passé, deux victoires, 62 points. Bon, 7 points d'avance sur Everton, on a deux jokers du coup pour assurer la 6ème place. Et surtout, regardez, Arsenal est à 2 points. On a... City qui est leader qui a 4 points. Bon, Liverpool et enfin Chelsea et surtout Liverpool ont des matchs de retard. Donc c'est eux les virtuels leaders, mais quand même on est toujours dans le haut du panier, hein, regardez. 6 équipes se tiennent en 4 points. Donc il faudra voir ce que ça va donner la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine dans le prochain épisode. Bah ça va être 3 matchs aussi hein. Conference League, championnat et Conference League encore. Donc voilà, j'espère qu'on va... Normalement, on est censé être favori contre Brest, mais faudra voir ce que ça va donner. On va tout donner, on va essayer de se qualifier pour cette demi. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah essayez d'être là pour les prochains épisodes qui vont sortir. En ce moment, il y a du contenu assez souvent, donc j'espère pouvoir vous en proposer régulièrement comme ça. Et surtout, n'oubliez pas, comme on dit chez moi, bye-o.